Intronisation de Da Soglo ce dimanche 17 juillet 2022. Da Abido Roussi, qui n'y man 6 ans, portait Fendi Lamalia, succède à son père plus d'un an après que ce dernier ait rejoint ses ancêtres. Il est le tout premier chef de collectivité intronisé par le roi de Dahomey, Dada Dewenon de Gberanzi, un événement que les filles et fils Soglo ont organisé avec faste. Aujourd'hui est un jour spécial pour la collectivité Soglo parce que, comme vous le savez, il y a un temps, notre Da nous a quittés. On dit Da est allé à l'Ada. Et après les cérémonies, il était de bon ton que son successeur puisse être intronisé. C'est à cette fin que toute la collectivité s'est réunie ici au palais central du roi Dada Wegbaja pour, disons, l'intronisation de notre futur roi. Heureusement pour nous, nous n'avons pas connu de division dans notre famille. Comme il se doit, les frères se sont concertés pour retenir celui qui va succéder au trône. Et c'est dans l'unanimité, dans un consensus général, que nous avons dégagé celui qui tout à l'heure sera intronisé par le roi Dewenoli. Donc, vous allez constater que nous sommes très nombreux ici. C'est la preuve que c'est ensemble, comme un seul homme, que nous sommes venus soutenir notre père qui va aujourd'hui être intronisé. Pas de division chez nous. Nous nous sommes bien entendu pour ce qui va se passer tout à l'heure. Je souhaite que cette unité-là puisse se renforcer pour que, ensemble avec notre DA, nous puissions continuer à construire la collectivité. Voilà. Donc, c'est un message, un appel à l'union, à l'unité autour de notre DA que nous allons tout à l'heure accueillir. Ils se sont mobilisés du début jusqu'à la fin du processus pour faire honneur à leur famille. Venus de tous horizons, les enfants Soglo et alliés ont fait l'éloge de nouveaux chefs de collectivité à travers des chants royaux, les panégyriques et autres. Dans l'organisation du royaume de Dahomey, Da Soglo fait partie des ministres qui assurent la sécurité du souverain et la défense du royaume. Le rôle de la famille Soglo pour la pérennisation des pratiques est donc important, raison pour laquelle, comme un seul homme, les filles et fils Soglo ont travaillé à la bonne organisation de la cérémonie d'intronisation. Le nouveau chef de collectivité va passer 7 jours dans Adjlalassa avant de retourner dans son palais privé, comme l'exigent les pratiques en la matière. Thank you.
Yeah.